J'ai beaucoup de produits que j'ai emballés moi-même. L'huile, je la prends en vrac, le sésame grillé, les tablettes de chocolat, j'ai remplacé par des palets de chocolat. J'ai réorganisé mes placards pour avoir de la place pour des bocaux. On s'est rendu compte que si on voulait faire du sans emballage, il fallait aussi réduire les emballages à la source. Donc pouvoir rendre les cagettes aux producteurs. Au début, j'avais dû renoncer à quelques plats où je ne trouvais pas les ingrédients en vrac. Et de plus en plus, je trouve là des haricots rouges, on trouve des légumineuses facilement. Le plus compliqué, c'est de faire une pause, de regarder ce qu'on fait, de remettre en cause toute notre consommation et de repartir sur des nouveaux produits.